Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening sur la version globale. Aujourd'hui, Sean Goldclaw est sorti enfin depuis le temps que je l'attendais parce que depuis le teasing du personnage, eh bien j'avais attaqué sa traduction et du coup j'avais hâte de pouvoir le jouer. Je tiens à vous remercier car la vidéo de Sean Goldclaw que j'ai faite pour le présenter, pour traduire ses skills, a dépassé les 10 000 vues, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. C'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps, ce n'est pas du simple copier-coller comme certains auraient pu le dire. Mais voilà, donc le truc c'est que cette vidéo, eh bien, elle est sortie assez tôt parce que étant donné que j'essaie d'apporter des news assez rapidement, si vous vous posez la question de savoir pourquoi je fais ça, eh bien c'est très simple, parce que lorsque Minos est sorti sur la version globale, on était tous sur le cul parce qu'il n'y avait pas vraiment de traduction disponible. Et je me suis dit, étant donné que je parle un peu le chinois, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aider la communauté à ma façon en essayant de vous proposer des contenus dans cet ordre-là, afin de sortir du format classique, puisque dans le format classique, eh bien j'ai pas envie de partir à la course sur la sortie de vidéo. Je préfère essayer de prendre mon temps, progresser, essayer d'apporter des contenus de manière plus propre, de vraiment prendre le temps. Et d'ailleurs cette vidéo m'avait pris pas mal de temps, parce que si vous comparez cette vidéo là avec l'ancienne vidéo de Sean Goldclaw que j'avais faite, eh bien il y a quand même un gros changement. J'essaie d'apporter vraiment un contenu de plus en plus propre, et si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pour info, j'ai débloqué Sean Goldclaw au Shards, et ce qui m'a coûté plutôt cher, parce que du coup je l'ai monté en 4-5-2-5, et ce qui représente un sacré nombre de skill tomes. Donc, ce qui concerne mon stock de skill tomes, eh bien, il est redescendu à 4 skill tomes actuellement. Là, je crois que j'ai presque un skill tome de complet. Je suis sûr d'en compléter un autre avec les quêtes que j'ai pas encore faites, parce que j'ai pas eu le temps de tout farmer. De plus, il y en a un autre que j'avais récupéré avec le manga d'Aphrodite, ou je sais plus lequel, qui a été débloqué le dernier. Je me suis pas encore penché là-dessus. Et ça me laisse une petite marge pour monter les skills 1, 2 et 3. Non, 1, 2, 3 et 4, dans la mesure où le 4, je pense, le privilégier, parce que son passif est très important. C'est très bon, parce que le personnage, vous ne voulez pas qu'il perde de points de vie. Donc j'irai privilégier ce skill-là. Dans la mesure où je ne peux pas le monter à fond, et bien j'essaierai de monter le 2 et le 3. Je pense que j'irai privilégier le Thunder Wave, parce que le Thunder Wave est un bon skill. On verra, je vais essayer de jongler sur ça, on verra bien sur les récompenses qu'il nous propose. Et d'ici, je pense que d'ici la fin du personnage, je pense que je l'aurai peut-être, j'espère avoir un doublon. Je tiens à vous rappeler que je suis en partenariat avec Huawei, donc dans cette optique-là, je tiens à vous parler, enfin une petite parenthèse, sur tout ce qui est pack à privilégier. En sachant que ce pack à 24$, eh bien c'est un pack qui reste assez rentable. Vous avez le pack à 3000 coupons que je trouve plutôt intéressant parce qu'il y a un skill tome, vous avez un bouquet aussi dedans et vous avez 30 gemmes, donc je trouve qu'il n'est pas déconnant. Celui à 0,99, c'est pas ma tasse de thé, et celui à 5$, je trouve qu'il est plutôt intéressant dans la mesure où vous avez les poules sur Sean Goldclaw. Après, le pack à 6000 coupons, ça fait un peu cher parce que maintenant on ne veut pas que des gemmes, on espère avoir quand même des skill tomes, on espère avoir des... Comment vous dire, on essaye d'avoir autant de, les bouquets, les fleurs, parce que ça c'est très important. Et après, si on regarde plus loin, eh bien je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a, de ce que je me souviens. Donc n'allez pas trop dans l'excès, mais si vous comptez acheter, je vous conseille d'utiliser l'App Galerie, de vous connecter au jeu via l'App Galerie pour bénéficier des meilleures offres et d'avoir une réduction sur les prix. De façon, par exemple, moi si je paye avec iOS, eh bien, je paye plein pot avec TVA, etc. Avec Huawei, eh bien, vous ne payez pas cette taxe et vous payez beaucoup moins cher. Et là, on est à peu près hors événement, donc vous allez payer la somme adaptée. Mais dans certaines situations, vous allez payer beaucoup moins cher. Et je vous tiens à vous préciser qu'il y aura forcément d'autres offres très prochainement. Mais ce qui est pour moi le plus à privilégier, c'est ce petit boost que vous pouvez avoir en achetant avec des coupons la deuxième partie, vous permettant d'avoir un skin ainsi que plein de récompenses, des shards, des... Enfin, je vous le présente pas, vous le connaissez, mais pour moi, c'est la priorité. C'est ce qui est le plus rentable à mon sens. Et ici, de ce que vous pouvez voir, vous pouvez acheter ici des gemmes avancées avec les gemmes normales. Donc, c'est ce que je vais faire ici tout de suite. Je vais en récupérer 45, je pense. Les 40 gemmes pour le skill tome, je pense que si j'ai de la chance sur Sean, j'irai le récupérer, étant donné que Hypnos sort en fin de mois. Donc, personnellement, je pense que j'aurai le temps de rééconomiser pour Hypnos, étant donné que j'ai déjà un skill tome avancé d'avance. Et pour les gemmes aussi, je pourrais me renflouer. Donc, ce qui concerne le reste, moi, personnellement, il y a les fleurs. Les fleurs que je pourrais peut-être récupérer, donc c'est lueur de bronze. C'est pas les meilleurs, franchement, ça monte assez vite.
Donc n'allez pas vous ruiner si vous n'avez pas besoin. C'est vraiment les plus l'un des temples qui est le plus facile à monter. Après, voilà, donc si vous avez un stock, là par exemple 80 fleurs pour une gemme, ça peut être pas déconnant, je trouve, pour moi. Et là, le skin d'Athéna qui est revenu, eh bien, ça c'est cool. Enfin, Athéna, non, c'est Saori, le skin de Saori, pardon. Le skin de Saori qui est revenu comme ça, donc ça vous donne une autre optique de manière à ce que vous pourrez avoir d'autres skins qu'on n'a pas eu, que vous n'avez pas eu, comme moi, par exemple, le Hades ou encore les agents secrets, je ne sais pas quoi, que j'ai pas voulu prendre, j'ai trouvé trop cher. Donc là, ça aurait été peut-être une autre alternative pour les avoir. Et on enchaîne tout de suite avec les invocations. Alors sachez que je suis sur BlueStacks, donc j'espère que là il n'y aura pas de lag. Généralement quand je joue sur téléphone, eh bien il y a pas mal de lag. J'espère qu'ici il n'y en aura pas, que ça sera plutôt fluide. Donc voilà, donc j'espère que tout se passera bien. On attaque tout de suite, allez go. J'espère vraiment l'avoir, je vais essayer de faire 10 multi aujourd'hui et voir si je peux l'avoir après. Franchement j'espère vraiment que je me fasse pas douiller, ça fait plusieurs fois que j'ai le personnage au frag. Là par exemple ça commence bien, alors j'irai récupérer ce pack plus tard. Là j'ai un Rémi, donc je crache pas dessus, Rémi vraiment je veux le monter, je trouve que le personnage est très fort pour moi, surtout pour le Jamir. Hop, alors là je dois replacer, étant donné que je joue pas avec la souris. Deuxième multi, bon pour l'instant pas de S, donc ce n'est pas une surprise maintenant. Désolé Zod, je ne peux pas. Un Poséidon, un SS, deuxième multi, un SS, étant donné que Poséidon, je l'avais déjà, donc j'ai déjà bien monté, pour l'instant, il ne va pas forcément me servir tout de suite dans l'immédiat. A voir, est-ce que ça c'est... Oh, cool, c'est bon, c'est le partage, c'est direct. Donc, deux shards encore, un petit Poséidon, bah ça fait un... Moi, je préfère avoir Hades, personnellement. J'ai eu Hades sur Shiryu Close, là, bah non. Hop. Ici, bah, je crois qu'on est spoilé, alors, à moins que j'ai trop de personnages. Parce que si vous avez trop de personnages dans votre box, je crois que vous êtes plus spoilé. Donc ici, bah, ça a l'air d'être le cas. J'ai été spoilé, comme quoi j'en aurais pas de personnages. Troisième multi, rien. Bon, on peut pas se plaindre, on peut pas dire qu'on en avait, on a rien eu. Le voilà. Quatrième. Alors là, du coup, j'ai 6 gemmes encore spéciales. Du coup, je vais essayer de faire 4 singles de façon à pouvoir arrondir les angles. Je vais essayer de les faire assez rapidement. Là, on a 0 charme. Waouh! Donc, on va utiliser les 6 là d'abord. Hop. On n'a rien. On va accélérer du coup. Parce que je pense qu'on n'a vraiment rien. Ok. Donc là, on va faire les singles. Comme ça, c'est fait. Hop. Hop, on va vite. Rien, j'aime pas faire les singles, franchement. Mais j'aime bien arrondir, en revanche. Non. Là, on en refait une, deux. Oh, j'ai cru que j'avais quelque chose. Non. Deux. Trois. Et 4. Ah, Alès qui a eu le Shang Close, GG à lui. Oui, il m'a feinté. Ah, j'y ai cru. Non. Alès, tu partages. Bon, même pas de Shard. Bon, tant pis. 5 multi, toujours pas de Shun. On continue. 6 multi, allez, voyons. Ah, c'est moi qui avais là le Poséidon SS, ça a dû être moi. Donc il y a un gros décalage, j'imagine. 3 shards, toujours rien. 7 multi. Vous pouvez pas être plus poissard que moi, je pense. Ah, un Aldébaran. Eh, mais c'est le troisième là. J'en veux pas, j'aime pas son RC. Bon, alors on va pour le reste. Est-ce que je vais avoir encore des persos? Hop. En sachant que sur Shiryu...
prends le Aiolos, mais l'Aldé, c'est bon. C'est pas le mieux. Ça me fait comme sur Shield Close. La vidéo, si vous l'avez vue, j'ai eu Aiolos. Après, le lendemain, j'ai eu 2 Sions. Le lendemain encore, le 2 jours après, j'ai eu encore 1 Sion. J'ai eu 4 Sions en tout. En 3 jours, 4 Sions. Je crois que celle-là, c'est la dernière. Je ne sais même plus. Arcar, je crois que ça fait plusieurs fois que je le vois passer celui-là. C'est pas moi en tout cas. 2 shards. Ah non. J'ai eu beaucoup de S, hein. En tout cas. J'en suis à combien? Ok, ok, ok. Il me reste une multi. Ah. J'ai plus de place, donc ça veut dire que là je ne serai pas spoilé de ce que j'ai pu comprendre. C'est à dire que là, bah, si j'ai le personnage, hop, parce que oh, bah, je suis directement sur Shell, tant mieux. On y va, dernière multi. Allez, on veut du B. J'ai eu un Rémi, je me plains pas. J'ai eu un SS, j'ai eu 2 Aldébaran, j'ai eu un Aiolos. Waouh, on est content. Ah, un Rémi, ça je prends. Eh, j'ai cru que j'allais en avoir d'autres, pas du tout. Je suis dépité. Je le veux. Allez, on en refait. Je veux en refaire. Est-ce qu'on s'arrête au prochain S? Sauf si j'en ai pas en 200 poules. Non, merci. Allez. On en fait une autre. J'étais faible. Je l'attends depuis longtemps. Et je veux des Rémi. Mais on n'est pas là pour des Rémi. On est là pour Shun. On a 3 shards. Toujours pas de S encore. Enfin, on a eu des S, mais toujours pas depuis... Allez. 12 multi. J'espère que ça ira. Il y a un aspirateur que j'entends en fond. Je pense que je vais arrêter. Aiolia. Oh, Aphrodite. Il y a trop de personnages. Il n'y a pas Shun. Non. Je suis dépité. J'arrête là. J'ai dit que j'arrêtais au prochain S. Bon, bah tant pis, je l'aurai pas, j'ai eu pas mal de S. Je prends un Aphrodite et un Aiolia, je prends. Je les ai déjà pas mal en doublon, donc on va voir où ça mène. Je sens que je vais le débloquer au shard celui-ci, je vais faire 4 multi par jour. J'espère que vous l'avez. Si ce n'est pas le cas, bah tant pis pour vous, bienvenue au club. Je vous accueille à bras ouverts. Si vous avez aimé cette vidéo de sel, eh bien je vous invite à la liker, à mettre un commentaire pour vous dire à quel point vous êtes dépité de ne pas l'avoir eu, ou si vous êtes comme dans mon cas, de vous montrer et exprimer votre joie si c'est le cas. Et bien sûr, si c'est pas le cas, bah, suivez-moi sur Twitter, c'est là où je mets la plupart des référencements. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien je vous dis à plus tout le monde, ciao ciao.